98, c'est une année de surprise. Aucune des favorites est en demi-finale. On se fait un peu agacer par les médias, qu'est-ce qui arrive. Mais en fait, c'est Tara Snyder, une Américaine, qui a connu le tournoi de sa carrière, puisqu'après ça, c'est sûr qu'elle a eu des blessures, difficile pour elle de continuer à gravir les échelons. Mais elle a quand même battu Chanda Rubin, qui était 30e au monde à l'époque. Et c'est l'entrée aussi en scène de Jennifer Capriati, qui a 22 ans, fait un retour au jeu, après qu'elle ait été 5e au monde. Mais elle a arrêté le tennis là, pour une couple d'années. Et elle vient jouer le Challenge Bell, classé 100e au monde à cette époque-là. Et on vous en reparlera un petit peu plus de ce qu'elle a fait par la suite. Aussi l'entrée en scène de Johanna Plaisu, une jeune Québécoise à qui on avait donné un laissez-passer.